enfants, c'est un peu ça. C'est un peu la gymnastique rythmique. La danse fait partie de la gymnastique rythmique. Je me suis vite démarquée dans ce sport parce que j'étais justement la danseuse dans ce sport et que j'aimais bien le côté artistique de ce sport. J'ai fait de la GRS en haut niveau, donc en compétition internationale, championnat du monde, championnat d'Europe, etc., en équipe de France pendant 10 ans. Donc 8 heures d'entraînement par jour, pendant 10 ans, à l'internat. Donc après moi, ma carrière, je l'ai stoppée d'un coup. C'était pour la qualification des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Et en fait, j'étais en ensemble, on a raté la qualification. Et du coup, ça veut dire un autre cycle olympique, ça veut dire refaire 4 ans. Et quand on a 20 ans, c'est un peu long. On a envie de vivre autre chose. À ce moment-là, j'étais un peu en recherche de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, tout simplement. Je voulais aussi profiter de mon bagage que j'avais acquis au niveau des qualités de mon corps et en même temps me libérer un peu de tous ces codes, etc. Et j'ai eu une opportunité, on m'a proposé une comédie musicale, un rôle dans une comédie musicale. Du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas aller passer le casting. Je ne savais pas trop, je n'avais jamais vraiment dansé. Donc, je suis arrivée, j'ai passé le casting et on m'a dit, ben, écoute, tu commences dans 2 semaines. Et je rejoins une troupe et j'ai commencé directement professionnellement, en fait. Donc, je ne me suis même pas posé la question, est-ce que la danse allait être mon métier? C'est devenu mon métier comme ça en 2 semaines. Donc, j'ai commencé à danser et puis on m'a mis un peu dans toutes les chorégraphies, compter en 8, découvrir qu'il y avait aussi un univers où il y avait des hommes et des femmes mélangés, qui pour moi était aussi nouveau parce que j'ai toujours travaillé dans un milieu de femmes. Donc, du coup, je me suis retrouvée entourée d'une équipe. On était plus de 50 danseurs, un truc très énergique et finalement très décontracté par rapport à ce que j'avais pu vivre. Je suis notamment allée voir Pixel, du coup, au moment où il y avait l'audition pour ce fameux spectacle vertical. Et je me suis dit, mais en fait, ça me plaît parce qu'il y a un truc hyper libéré. Il n'y a pas de code. J'avais un peu l'impression que chacun ramenait sa personnalité au service du groupe. Et c'est directement ça que j'ai vu. Et je me suis dit, ben, peut-être que moi, même si l'audition s'écrit hip-hop, peut-être que moi, je peux apporter quelque chose de nouveau. C'était très impressionnant parce que y avait beaucoup d'hommes finalement. Je crois qu'on était 2 filles. Et on s'est retrouvés dans un cercle à devoir faire des impros et rentrer un peu comme dans un battle hip-hop en fait. Donc là, on met sa fierté de côté et puis on y va, on rentre dans le groupe quoi. Après justement cette compétition que j'ai pu vivre avant, cet esprit compétitif, je l'amène dans les auditions. C'est-à-dire que là, je sais que y a une place à prendre et puis je vais aller la prendre. Donc ouais, je laisse tout ce que je pourrais penser derrière de « Ah, je suis pas hip-hop, qu'est-ce que je vais pouvoir donner dans ce cercle ?» Et puis j'y vais, puis je donne juste ma personnalité. Et puis ça a matché en fait. Il y a une très belle rencontre qui s'est faite. Un peu comme tous les danseurs, c'était un peu compliqué de découvrir l'aérien. Parce que finalement, on s'est rendu compte que ça faisait mal au corps. On a tous eu un petit peu mal au corps quand même. Et du coup, c'était ça nous contraignait avant de nous amener des nouvelles possibilités d'expression. Donc on s'est senti un peu bridé finalement, alors que c'était tout l'inverse. Mourad, il voulait l'inverse. Donc on a mis du temps à découvrir ça, qu'on pouvait être assez libre dans ce qu'on pouvait proposer, même si on avait un baudrier, même si on avait des accroches qui nous bloquaient les bras, etc. Pour moi, danser déjà, c'est être libre. Même si on a le même spectacle, même si on va le jouer 100 fois, 200 fois, 500 fois, ce ne sera jamais le même. Parce qu'on y va avec nos émotions. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais lancer un spectacle, je vais être plus fatiguée qu'hier. Mais du coup, je vais trouver une autre gestuelle, bien sûr en gardant le même mouvement, mais en allant peut-être avec une énergie différente et un ressenti différent. Et c'est ça que j'adore dans la danse, c'est que chaque jour, c'est différent. Je vous présente ce petit objet, c'est un mousqueton. Voilà, c'était notre petite blague sur Vertical, parce qu'on avait toujours besoin des mousquetons. Et on les a appelés les moustifs. Donc voilà, c'est nos petits moustifs. Et le jour de la première, j'en ai offert un à chacun, où j'ai gravé le petit nom de chacun, et qui écrit Vertical. Et du coup, je sais que chacun le garde, et c'est un sacré souvenir, ce petit mousqueton. Voilà, c'est une petite blague entre nous, je ne vous dirai pas la fin de la blague.